je suis beau. Ah, c'est pas pratique d'être beau. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien. Bienvenue au drôle. Je fais du stand-up. Du coup, t'es drôle quoi. J'essaye, bien sûr. Parfois, je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux faire du stand-up? Je sais plus qui tu es. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son club. C'est ton club ici. Donc, tu peux passer ce soir. Il faut laisser la place aux autres. Fait 1397 euros pour nous deux, pour vivre. En fait, je sais pas comment on va faire là. Eh ben, on va rouler la joie. Tu te rends compte, je vais perdre de l'argent avec toi. T'es plus rentable. Ça va pas. Tu vois bien que ça va pas là. Tout se passe quoi là? C'est la queue pour ton spectacle, Aïssa. C'est magique. Votre mec, il en pense quoi? Tu m'as sacrifié sur l'autel de ta petite célébrité là. J'ai pas compris comment ça s'était passé. Un jour, je me suis réveillé, vous étiez tous mis à court. Toi, tu bouges un sourcil. Les gens rigolent. Parce que ce matin, au réveil, je me suis regardé dans la glace et je trouvais que j'avais pris un petit coup de vieux. Mais là, franchement, je vous vois, je me dis, ça va. Ça va. Pour moi, faire rire les gens, c'est un truc extraordinaire. Alors, c'est qui, le gosse? C'est hyper grand comme tout ce qui me tâte. J'ai tellement attendu ça. J'ai tellement sacrifié pour ça. Oh, c'est drôle, là. C'est chez nous, ici, en fait, tu vois.